Salut les amis, c'est Flamme, bienvenue sur la chaîne Les Petits Phoenix. On se retrouve pour la deuxième partie du Mont Sorbet, donc c'est le monde 3 que l'on tourne actuellement sur New Super Mario Bros. Deluxe sur Nintendo Switch. J'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Alors c'est vrai que sur l'épisode précédent, on a quand même pas mal galéré, j'ai eu du mal à aboutir un peu sur les niveaux. Mais là on va essayer de se faire quand même des meilleures performances par rapport à l'épisode précédent. Donc, avant de commencer cette vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire qui font toujours plaisir. Et on est parti pour cet épisode 4. Let's go! Alors, on va s'attaquer au manoir. Le manoir, j'avais commencé vraiment sur la fin du dernier épisode, sur l'épisode précédent. Il s'appelle le manoir bancal. Et en fait, il y en a un peu dans tous les sens. Il m'a l'air assez complexe. Donc, on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. S'il y a différentes portes, il y en a un peu partout, comme vous allez voir. C'est un peu le bazar. Allez, on va repasser par cette porte là. J'ai commencé au départ par cette porte. Mais apparemment il y en a un peu partout. Il y a vraiment des portes un peu partout. Je pense qu'on va s'amuser un petit moment. On va voir si on peut pas récupérer un petit objet. Ah non, j'ai pas pu passer la porte. Ah, j'ai pas pu passer cette porte là non plus. On va prendre celle-ci, celle d'en bas là. On va essayer. Ok. Ça commence bien. Il y a un power-up là-bas. Un casse-gueule. Ouais, c'est vraiment histoire de récupérer pas mal de pièces. Du coup, maintenant, faut qu'on prenne la porte du... d'au-dessus. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, on va attendre qu'elle arrive. Pareil, j'ai eu un petit souci, je sais pas comment récupère la pièce, la grosse pièce qu'on voit tout au début. J'ai pas trouvé. Alors peut-être une astuce. Alors là, je sais que j'avais galéré la dernière fois. Ah non. Non. Ah, il y a des moments, des bons moments sur ce New Super Mario Bros. Et il y a des moments de défaite aussi, comme on peut le voir. On meurt bêtement. Allez, on y retourne, c'est parti. Le petit manoir qui est vraiment, comme ils disent dans le titre, bancal. Ok. Ah ouais, je sais pas comment je vais récupérer ça. Cette pièce-là. Ah, vu comment il est beau, je suis un peu embêté. On vient par là. Viens me voir. Voilà, là, très bien placé. Est-ce que je passe? Ouais, c'était une feinte ça. Non, pas trop. Ouais. Comment on peut récupérer à votre avis cette pièce? C'est même là où je peux pas les récupérer. Allez, on va essayer à la porte du bas. On va récupérer un peu de pièces sur celle-ci. On va reprendre la porte du haut juste après. Essayer de pas me planter sur ce niveau. Arrête de bouger, toi. Allez. Le petit bout, il va pas nous lâcher du niveau. À mon avis, il va nous suivre partout. Ça va être horrible. Horrible, horrible. Il y aurait Luigi qui serait là. C'est en mode pétochard, là. Allez, parti. C'est parti pour la porte du bas. Qu'est-ce qui nous attend? Ah non, c'est ce qu'on a fait. C'était la porte du haut qu'il fallait que je prenne. On y retourne. Il faut que je fasse attention au niveau du timing. On est à 383 secondes. C'est pas si mal. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette salle?
C'est un peu dangereux. Allez, je vais essayer de récupérer... Je crois qu'il y a une pièce... Ok, ça c'est fait. On a récupéré la pièce du milieu. Je sais toujours pas comment récupérer la fameuse pièce qu'on a vue au tout début. Je te surveille. Alors, il y a cette porte qui disparaît. D'accord. En bas, on y est allé, hein, donc on va pas y retourner. Je pense qu'on va reprendre la porte du bas. Hein. Oh, j'ai pas touché bleu. Ah, je suis embêté avec le bout là, me gênait. Tu veux être sérieux? Apparemment, j'ai pas le choix. Le problème, c'est que ça va me ramener au même endroit. Je suis obligé de refaire? Attendez, là, je suis perdu, là. Je suis perdu, je sais pas où aller. Ah, peut-être les deux premières portes disparaissent. Il faudrait que je prenne celle du bas et je prenne celle de droite après. On va essayer. On va essayer de faire ça. Bah non, celle-ci, elle fonctionne. Je comprends pas ce que je dois faire, je suis perdu. Là, je suis un peu paumé, là. Je suis un peu paumé parce que je sais pas où je dois aller. Si je reprends cette porte-là, elle va disparaître, j'ai l'impression. Comment on fait les amis à votre avis? Ah, là je sais pas là. Là je ne sais pas comment on peut se sortir de ce donjon parce que je reviens toujours sur le même niveau. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Je veux sortir de là. J'aimerais sortir d'ici. Comment on fait? Ouais, je sais, ouais, le timing, ouais, c'est bien. Voilà, ça disparaît, d'accord. Je vois pas comment on peut faire pour sortir d'ici, c'est horrible. Oh là là là. Ok, je suis mort. Bon. On va peut-être pas repasser par là parce que à mon avis, je sais pas, j'ai l'impression que je suis coincé. Il doit y avoir une astuce hein, pourtant. À mon avis, il y a une astuce, mais là je vois pas laquelle. C'est terrible. C'est terrible. Comment on va pouvoir passer sur ce manoir qui est bien bancal? Thank you.
Ouais, ça disparaît, d'accord. Ben, ça disparaît, d'accord. Oh, merci! À moins qu'il y ait un truc à faire en récupérant toutes les pièces, peut-être? Non, je sais pas. Allez, on réessaye cette porte en haut à droite. On va voir, il y a forcément quelque chose à faire. Alors, là, je me retrouve ici, d'accord. Et si je repasse cette porte-là, non, ça ne marche pas. Donc on est obligé de prendre cette porte-là, d'accord. Donc les deux du dessus, quand j'y retourne, elles disparaissent. Là, ça disparaît aussi. Merci, merci, merci. Ah, on a récupéré bon, toutes les pièces bleues, j'ai récupéré la pièce dorée, d'accord. Mais là, je vois pas comment je peux me dépatouiller de ça. Alors, si je fais ça la première fois, porte en haut à gauche, ça disparaît. D'accord. Et maintenant, peut-être qu'il serait intéressant. Ce qui serait intéressant... Attendez. On va essayer de faire ça. Donc, si je fais disparaître la première porte et je passe par là, qu'est-ce qui se passe? Je reviens ici. On va essayer de comprendre un peu la logique. Là, il y a forcément une logique, une énigme. Mais je vois pas comment je peux passer ce petit niveau. Et si je fais disparaître la deuxième porte? Admettons. Non! Ah, moi, je dois récupérer toutes les pièces bleues. Parce que je vois que celles j'ai déjà récupérées. C'est peut-être ça. Il faut peut-être récupérer toutes les pièces bleues, à mon avis, sur ce niveau. Pour pouvoir revenir en arrière. À mon avis, est-ce qu'elles disparaissent pas? On va tenter. Je vous dis que les petits bouts, ils nous lâchent pas du regard. Ah. Bon, on va quand même rentrer. Il manque juste la pièce là où je n'ai pas récupéré. Et c'est peut-être ça qui fait disparaître les portes. Alors, on va aller en haut à droite comme on avait prévu. Bon, là, faut qu'on récupère un max de pièces. On va essayer de récupérer la pièce dorée. On va essayer de récupérer ça. Allez, c'est parti. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, merci. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, c'est cette porte-là, dès que j'interagis avec, elle disparaît automatiquement. Les bouts, ils sont morts de rire, croyez-moi. Non ! Ah, du coup, je suis mort. Ouais, ouais, ouais. Ça va pas être évident, ce niveau-là. On va essayer de le refaire. Pour le moment, je récupère, à mon avis, les pièces bleues. On va tenter comme ça. Je vois pas d'autre solution. Je vois vraiment pas d'autre solution. Parce que les portes bleues... Enfin, les portes vertes disparaissent automatiquement. Un petit guide ? Allez,
Petit guide de Luigi. Luigi time. Ah, il va nous montrer toute la solution, c'est pas intéressant. Non, 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 non. Non, non, désactiver le super guide. Ah, du coup, je joue Luigi. Non, on va pas continuer. Non, 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 non. On va pas super guide du coup. Je veux récupérer Mario. Allez, on essaie. On essaie de comprendre cette logique avec les portes. Je sais pas où je dois passer, c'est terrible. Ouais, je sais, mais bon, ce qui serait intéressant, c'est qu'on réussisse sans guide. Par exemple, là, cette porte-là, j'ai interagi, elle a disparu. Celle-ci aussi. On va essayer de récupérer les dernières pièces. Ah, j'ai trouvé déjà comment récupérer cette pièce-là. Du coup, il nous manque une pièce. On y retourne. Ah, je pourrais pas la récupérer du coup. On va passer la porte. On a déjà passé cette porte là. Ouais, alors la porte du bas, c'était juste pour récupérer des pièces, il n'y avait rien de spécial. On va essayer quand même de récupérer toutes les pièces bleues sur ce niveau-là. Ah là, ça disparaît aussi. Allez, récupérons toutes les pièces bleues. Il y a peut-être une astuce. Ah, mais il n'y a plus le petit power-up là sur celui-là. D'accord. Donc on va aller direct en haut à droite. C'était pas utile d'y retourner. Ok. Ah, je suis en mode en train de chercher la solution, les amis, pour qu'on puisse avancer sur ce niveau. C'est horrible, c'est horrible. Bon, c'est toujours ça de récupérer. Retourner par là. À moins que quand j'active le pouvoir. Voilà. Ah, j'ai pas réussi. Bon, merci quand même. J'ai eu les pièces bleues. Merci, merci. On a loupé la pièce jaune. À moins que quand j'active le power-up, je peux revenir en arrière. Attendez, j'essaie quelque chose. Si je fais ça, marche pas. Reste les pièces bleues. Je vais essayer de quand même tout récupérer pour qu'on soit sûr. On va attendre là. Attendez. Regardez le petit père Bowser. Je crois qu'il me reste juste les pièces bleues juste au-dessus. On va attendre que ça monte. Thank you.
juste une pièce bleue. Juste cette pièce bleue à récupérer. On va essayer de trouver le bon timing. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Ok. Ok. Bon, là, on a récupéré toutes les pièces bleues. Est-ce que ça va être suffisant maintenant? Bon, je vais refaire le tour. J'espère que c'est ça. Ah, si c'est ça, j'aurais passé un temps fou. Oh, au secours. Hein. Bah, j'aurais pu réutiliser le power-up. Alors, est-ce qu'on peut aller à la prochaine porte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les amis. Dites-moi que c'est bon. Non, c'est pas ça. Je ne vois pas qu'est-ce que je dois faire de plus. C'est horrible. Alors, faudrait que je retourne en bas et j'aille directement, peut-être. Là, je vous avoue, je suis un peu perdu. Ouais, je sais que le temps il tourne, ouais. Tu pourrais entrer là, il n'y a aucun problème. On fait que des allers-retours sur cet endroit-là. Mais je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus en fait. Je suis un peu perdu là. Ah, je crois que j'ai compris. Pour moi, il y a peut-être un passage en bas à droite. C'est fort possible. On va essayer. On va essayer. Allez, on y retourne. Et à mon avis, en bas à droite, je pense qu'il y a une porte. Je vois que ça. Honnêtement, je vois que ça parce que... Là, ça fait un petit moment qu'on tourne en rond sur ce... Parce que vous voyez, en fait, quand j'active le power-up, là, on pouvait pas passer au niveau du cube. Et si je fais ça, par exemple... Là, on peut passer. Donc ça ouvre certains passages. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. À mon avis, il faut aller en bas à droite et on va être bon. On va être bon. Allez, c'est parti. On va récupérer un peu de... De cube, tout ça. Je vais reprendre la porte du haut. J'ai envie de trouver la solution. J'en peux plus. J'en peux plus de ce niveau. J'en peux plus de ce manoir. C'est horrible. C'est horrible. Vraiment terrible ce niveau. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Ça peut être que ça. Hein. Honnêtement, ça peut être que ça. Regardez. Regardez la porte qui est planquée. Derrière ce mur. Ah là là, j'ai tourné en rond pendant je sais pas combien de temps. Bon, là, on a plusieurs portes, tiens. Si je passe par là. Marche pas. Marche pas. Celle-là marche. À mon avis, il va falloir que je fasse tous les murs, qu'on se jette bien. Ouais. Il me tire la langue. Une petite étoile. Ok. Bon, je sais pas si ça va vraiment me servir sur ce niveau-là. On va essayer de repasser par ici. Ouais, flèche, ok, mais une flèche, nickel. Petite flèche, on continue. Ah, ça marche pas. Il y a peut-être un passage par là. J'essaye par là.
Alors l'autre côté. Non plus. Alors j'ai activé un interrupteur. Oh, il est terrible ce niveau, il est terrible. Eh, c'est un labyrinthe les amis, je m'en sors pas. Ah, il y a plusieurs portes. Ah, il y a un gros bout. Attendez. Non! Allez, on grimpe, 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 il en manque un peu. Il en manque un peu, mais c'est ça la solution. Attendez, je vais récupérer la plante du coup. Faut pas que je casse tout. On n'aura pas le temps. Et plus ça va, plus je fais disparaître les cubes, c'est pas une bonne chose. Bon, attendez, je suis embêté avec les bouts là. On va essayer de... Non, là je peux pas. Là je peux pas. J'ai eu peur. Je me dis, celle-là, il va m'annuler la porte aussi, je vais être pâle. Ok, on retourne par là, pas de problème. Il est terrible ce niveau, il est horrible. Oh là là. Ce niveau sur New Super Mario Bros. Deluxe, il est... Oh non, là, j'en peux plus là. Oh non, non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Mais non! Au secours! Au secours! On y va. Non! Non, non, c'est pas possible. Il est terrible. C'est une torture, ce niveau. Ce n'est pas possible. Comment tu veux t'en sortir de... De ce manoir. Oh là là. Allez, on y retourne. Bon, cette fois, je rate rien. J'ai décidé. On va pousser un peu plus là. Mais on va pas rester non plus sur ce niveau 107 ans. C'était pas possible. Allez, c'est parti. On va rusher un peu ça. Champi. Allez. On fait un mode rush. C'est pas grave. On va récupérer la pièce. Allez, on prend la porte, nickel. On essaie d'avancer un petit peu quand même, parce que là, c'est un petit peu long. La petite porte, go. On va essayer de récupérer le champignon qui est là-haut. On va récupérer ça. Attends un petit peu. Ok, on a la porte, nickel. On va continuer à avancer. Passer du coup. Ah si. Et une fois qu'on a activé le power up orange, on peut passer, il n'y a pas de problème. Bon, alors là c'est le niveau fatal pour moi. Allez, faut sauter, faut y aller, on y va, on pousse et on veut que ça passe. On veut que ça passe, on y est. Non, c'est bon. Eh ben dis donc les amis, on a passé une étape. J'espère au moins qu'on est à la moitié du niveau. Bon, déjà on est dehors. Un petit power up, d'accord. Ah ben en fait c'est fini. Eh ben enfin, champagne, champagne les amis. Non, c'était terrible, c'était une torture pour moi. Le manoir bancal, eh ben il m'a rendu complètement bancal les amis. C'est hallucinant. J'ai passé énormément de temps sur ce niveau. C'est
terrible. Après, c'est des aléas, c'est du let's play, c'est du direct. Hein. Voilà, je ne fais pas semblant. Donc, il y a des bonnes surprises comme des mauvaises. On est sur du direct. Oh non, pas le pingouin. Alors, je voulais voir le petit niveau du bas, là. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est impossible. Ah, c'est pas possible. Non, là, le petit pingouin, là, je le sens pas du tout. On va faire le tour, on va l'éviter. On va pas m'embêter avec les pingouins. Ils sont assez agaçants comme ça. Ce petit pingouin, là. Ah oui, je me suis fait éjecter. Ah, j'ai pas le temps. Puis on peut pas passer en bas, là. À moins que... Sinon, est-ce que j'ai une fleur? Sinon, on va prendre la fleur, on va pas s'embêter, hein. Alors, les objets. Oui. Ouais. Ah, d'accord, je pensais que ça lançait l'interaction avec... D'accord. Donc, si on veut pas s'embêter, on peut utiliser les étoiles. Si on veut passer ça, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ce petit niveau? Ah! On va falloir trouver le bon rythme. C'est pas si mal là. Ah, je vais peut-être essayer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose par là. Je me suis fait avoir. Alors, apparemment, je pense qu'on peut monter là-haut. On va aller voir. Mais je vais essayer de pas glisser. Ce serait pas mal. Si je glisse pas, ce serait pas mal. Allez, on y retourne. On va essayer ça. Et après, il nous restera le dernier niveau. On va affronter le boss de ce monde du Mont Sorbet. Allez, petit Mario. Tu peux le faire. On peut le faire. On peut y arriver. Pourtant, il y a des jeux qui sont plus compliqués que ça. Je mets moins de temps. Et là... Comme si c'était un marathon pour moi. Allez. Alors, on va casser ces cubes-là. Je crois qu'il y avait un cube par là. D'accord. Oh. Merci, merci. Allez, une petite plante. On va essayer de... Oula, je me suis fait peur. Ah, il y avait peut-être quelque chose derrière, à mon avis. Il y a peut-être une pièce de planqué. Oh là là. Faut pas hésiter à prendre son temps des fois. Hein. Il doit y avoir des petits passages, à mon avis, qu'on n'a pas vu. Ok, ok, ok. J'en ai à la moitié du niveau, c'est pas mal. Oh, une petite fleur, on n'aura pas besoin. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ok. Alors attendez, j'essaie de me concentrer. Ok. Ok. Oh non! Pas très gentil ça. Est-ce que je peux aller dans le tuyau? Non, je pense pas. Il aurait fallu que je lui saute dessus à mon avis. Hop là. Ah, en fonction des éclats de glace, il y en a... Secours.
Ok. Oh non. Oh je trace. Oh je trace, je trace, je trace, je trace. Cherche pas à comprendre. Non. Ok. J'ai essayé de le faire à la mode je rush. J'étais presque à mon avis. J'étais presque, mais je me suis quand même planté. Allez, on y retourne et essaie de terminer ce petit niveau avant de continuer la suite. Ah mais dans le château, ça va être rempli de glace aussi. Et du coup, là, j'ai plus d'objets. Voilà, je pense qu'on va récupérer un petit champi. Ça va. Je suis pas serein parce qu'après, ça glisse pas mal et tout. Y a pas grand chose. C'est horrible. C'est horrible. On peut s'asseoir sur les cubes, on finit une petite tac-tac au sol. Et on peut récupérer pas mal de choses. Ah non 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 non. C'est là que j'aime pas trop. C'est là qu'on est un peu moins serein. On se stoppe. Non on se stoppe pas. Si on se stoppe. Je sais plus. Alors il faudrait qu'on essaye d'être un peu grand, un peu plus costaud. Avec un petit champi ça va nous aider. Ou alors. Écoutez les amis. On a des objets, on a des étoiles. On va essayer de rusher ça. On va essayer de rusher ça sans que je tombe. Au moins que je passe la petite passerelle là, avec les éclats. Il faut que j'aille super vite. Ah, ouais, mais faut falloir... pas évident. On sait pas, on va essayer de rusher ça normalement. Ah, c'est dommage, j'ai cramé une étoile. Là, jusque-là, ça va. Sauf quand il y a lui, là. Ah, balance pas tes boules de glace, toi. On n'en veut pas, tes Mister Freeze. On n'en veut pas. Attendez, on va essayer de continuer. Là, en fait, je pense qu'il faut pas s'arrêter. C'est pas une bonne idée de s'arrêter. Est-ce qu'on peut récupérer des objets là? Bon, juste des pièces à mon avis. On va faire une petite attaque au sol. Ok. Ok. À mon avis, là, ce que vous avez vu, si on le rush bien, ça permet d'accéder à un autre monde. Ah non, pas forcément. C'est juste pour avoir une pièce et le drapeau. D'accord. Bon, on a terminé ce niveau. Avec mon super niveau de fou de débutant. Ah, ils sont pas si simples, hein, les New Super Mario Bros. Ils sont pas si simples. Hein. On peut passer pas mal de temps, comme vous pouvez le voir. Du fait que je fais en deux parties ce monde 3 du Mont Sorbet sur le New Super Mario Bros. Ouais, on le fait en deux parties du coup. Ok, on va essayer de récupérer les Yoshi où il y a des vies. Là, les jaunes, il y a un Bowser, faut faire attention. Il est à droite. Toi, je crois que c'est bon. Non. Là je me suis vraiment ciblé sur les jaunes où il y avait le Bowser. Comme ça je suis sûr de gagner que du positif. Il n'y aura pas de Bowser, on n'aura pas de perte. C'est impeccable. C'est impeccable. Allez, on passe à la suite. Il ne reste plus que le château les amis. On va essayer de faire ça proprement. Mais si c'est comme les autres niveaux, à mon avis, on va pleurer un peu. Alors, attendez. On va
passé au bon moment. Et on arrive sur le château Chomp de Wendy. On va affronter peut-être Wendy comme boss. Château Chomp de Wendy. Au Mont Sorbet. C'est parti. Ouais, pour le moment ça va. Je suis pas trop inquiet. J'aurais bien voulu qu'il me donne un petit une petite fleur gelée ou les petites flammes là. Ça aurait été pratique. Ouais, là je pense en Baya. Merci, merci, merci. Ça revient vite. Ça va. Ça gère, ça gère. Oula. Oula là. Ah! Je m'y attendais pas. Et si je fais ça? On est pas mal. On n'est pas si mal. Faut penser que pour bien terminer ce niveau, il va bien falloir vaincre le boss de ce donjon. D'accord, j'ai compris sa mécanique. On va pas rester là. On y va. Ah, ça sort en deux temps, d'accord. On va monter là. Et on peut y aller. C'est dangereux. Oh le bon. Oh, je m'y attendais pas. Ça m'a surpris. Je vous avoue, ça m'a surpris là le petit effondrement. Ah. Alors là, attendez. On se met sur le bord. Attention, on se cale bien là. Non, il ne touche pas. Ok, lui il atterrit où? Pareil, au milieu. Bon, la fleur on l'a déjà. Bon, on n'est pas si mal sur ce niveau. Alors, je vois un tuyau. On peut pas y aller. Oh là là, il est gros celui-là. Celui-là, tu le prends dans la tête, t'as mal, hein. Enfin, prends le Doliprane après. En vrai, j'aurais pu rusher. Ah, peut-être pas là. On arrive à la porte, on va essayer de bien réussir ce boss. Ce qui pourrait être pas mal. Si on arrive à faire du premier coup, ce serait formidable. On va essayer ça. Allez, c'est parti, on va affronter Wendy. Je sais pas quel pouvoir elle a, Wendy. Ils ont tous un peu les boss des pouvoirs différents, des mécaniques différentes au niveau du gameplay. On va voir ça dans un instant. Ouais, ouais. Des anneaux. D'accord. Non, je l'ai eu. Ah les anneaux, ça fait pas bon ménage aussi. Essayer de s'en sortir quand même. Ah, j'ai raté. J'ai raté, c'est pas grave, j'ai compris la mécanique. Mais je pensais pas que les anneaux allaient nous faire des dégâts. On va voir ça, on va essayer, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a compris la mécanique, on est bon.
Là, ce qui nous aide pas avec la glace, ça glisse pas mal. C'est pas forcément ça. On va récupérer les petites pièces. Merci, merci, merci. Le petit champignon qui fait plaisir. Il redonne de l'énergie à Mario. Ah, dommage. Alors, je vais voir si on peut récupérer quelque chose sur ce cube. Apparemment. Ah, peut-être plus tard. Tiens, je viens de voir quelque chose. On va se laisser tomber après parce que j'ai vu qu'il y avait un tuyau juste en bas. C'est pas le thé. On va peut-être récupérer une pièce du coup. Oh là là. Ça glisse. Ok. Ah d'accord. Bon, j'ai perdu... J'ai tout perdu au niveau du champi et tout, mais on a récupéré la pièce. C'est bon à savoir qu'il y a une pièce par là. Par contre, pour vaincre le boss, ça va être compliqué. Hein. On va le faire en plusieurs fois. C'est pareil. En petit, je vais jamais y arriver. Je vais pas y arriver, c'est pas possible. Non, ça va être trop dur. Attends, attends, il y avait un champi. Il y avait un champi. Il y avait un champi de planqué là. Bon, je le serai. Si jamais je me plante, pour la prochaine fois, je le serai. On va essayer de la vaincre quand même en mode mini Mario. Bon, je vous garantis rien. Là, je vous avoue, là, ça va être chaud. Ça va être chaud, les amis. Déjà, je galère pas mal sur ce niveau. Enfin, sur ce monde-là. On va essayer quand même de l'avoir. Allez, c'est parti. Ok. On l'a eu une première fois. Ce qui est pas mal déjà. Ah non. Bon, je pense que des fois elle monte en hauteur et on a moins de précision. Bon, déjà j'ai vu qu'il y a un champignon tout ça, on va y arriver. On va y arriver. Allez, on y retourne. C'est parti. Château de Chaume de Wendy. Ah, ce Mont Sorbet, je m'en souviendrai. J'ai pleuré. Je pleure sur ce niveau. Allez, on se concentre. Et le petit inconvénient, c'est que ça glisse pas mal. Merci. On a récupéré le champi. Ok. C'est de bien observer pour pas se planter. Ah, à chaque fois je me fais avoir. On aura une petite vie de récupérer. Ah, on peut les shooter quand ils shootent dans les cubes. D'accord. Bon, déjà on a le power up, on a les flammes de glace, ça va peut-être nous aider. Allez, on y va. Allez, un petit rush. On va juste
reste à attendre là. On va le faire tomber. Encore une fois. Ok. Nickel. Donc à savoir si un jour vous faites ce niveau, il y a un petit pouvoir ici. Ah, et là on a les flammes. Je crois que je peux la shooter avec les flammes normalement. Je crois. Hein. On va essayer. Il me semble qu'on peut les shooter les boss avec les flammes. On va essayer. Allez. On y va. Ça pourrait nous aider d'ailleurs. Allez, cette fois c'est la bonne. On y va. Ouais, effectivement, ça marche bien les flammes. Et bon, on va la faire à la flamme, les amis. Ça va être win. Ça va être win. Allez, encore une fois. Et on est bon. Et elle est vaincue. Wendy, elle retourne dans la glace. Nickel. On a réussi les amis. On a terminé le monde 3. Le mont sorbet qui m'a fait littéralement péter un plomb. Faut dire ce qui est. Elle est vaincue. Elle est vaincue. Donc on pourra s'intéresser au prochain monde. Donc quand même, ouais, j'ai eu pas mal de difficultés à réussir ce niveau. Mais au moins, ça à faire classer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les petits pouces bleus, une petite sauvegarde bien entendu, les petits commentaires qui font toujours plaisir. Si vous avez des conseils pour la suite, n'hésitez pas à me les donner aussi pour que je galère un peu moins. Et voilà, c'était le Mont Sorbet sur New Super Mario Bros. U Deluxe que je tourne actuellement sur Nintendo Switch. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut tout le monde !